un nouvel intervenant sur le plateau de la Web TV, nouvelle première intervenant sur le plateau de la Web TV, tu inaugures. Est-ce que tu peux te présenter en 30 secondes ? Bon, je m'appelle Yves Eonnet, je suis cofondateur d'une fintech qui s'appelle TacPay. Et TacPay, c'est une société qui fournit aux banques tous les outils informatiques pour faire la banque du futur. La banque du futur, c'est la première fois que tu viens ici ? Oui. C'est bien ? C'est génial. Bon, c'est génial. Pour toi, la nouvelle vision Tech for Island, c'est un concept, c'est une idée, c'est de l'avenir, c'est quoi ? Ben, si tu veux, on est dans un monde assez paradoxal. Où ici, avec Tech for Island, on est dans un archipel. Oui. Et l'archipel, il a des contraintes, il a des spécificités. Et moi, ce que je crois, c'est que toutes les villes du monde sont des archipels. Elles ne le savent pas. Ici, on le sait. Donc ici, on va faire le futur. D'accord. Bon, c'est une très bonne idée. Et qu'est-ce que tu penses ? Ben, tu as déjà répondu à la troisième question, parce que la troisième question, c'est qu'est-ce que nos archipels peuvent apporter les territoires de demain ? Alors, dans le détail. C'est assez simple. En fait, ce qui se passe, c'est que dans un archipel, chaque île est spécifique. Chaque île va avoir des besoins particuliers, à des rythmes différents, quelquefois avec des fonctions différentes. Et il s'avère que nos villes dans le monde entier, sont de plus en plus fragmentées. On vit de plus en plus en tribus. Alors, ce n'est pas des îles, c'est des tribus, mais ça ne change rien. C'est des besoins spécifiques. Et les outils bancaires, les outils qui vont servir les clients pour gérer leur argent et pour pouvoir faire en sorte que l'économie se développe, eh bien, ces outils, ils vont être particulièrement adaptés à ces environnements insulaires et tribales. Et une dernière question. Est-ce que c'est un seul message à passer aux jeunes qui sont justement dans nos archipels ? Moi, j'ai envie de vous dire, vous les jeunes, trouvez des nouvelles idées et n'abandonnez jamais. Il faut s'accrocher, il faut pousser ces idées jusqu'au bout. Quand on démarre une idée, on ne sait jamais où ça va, mais si vous êtes bon, ça s'adaptera et vous irez quelque part. Eh bien, merci. Voilà. À la prochaine. À la prochaine.